tout bagaille ça yo. L'eau tout bagaille. Nous met avancer pilote doit toujours. Là, c'est tout ça on fait là. C'est bon. Pas nous explication même si ça connait. Non, là même la cour, là c'est la cour l'hôpital là toujours. OK. Business là en l'air. Maintenant. Non, c'est visite. La femme fait tout comme les réouvertes brutalement. Nettoyage. Alors nous prêts pour nous faire le service là? Oui, nous prêts. Oh, nous prêts. C'est l'hôpital à notre côté, mais nous même nous prêts. Et l'hôpital à lui-même aussi, nous prêts, il prêts tout. Nous te font filtre en tant que là? Bon, nous pas dire que nous filtre. Nous pas dire que filtre. Parce que si nous avons un problème tiré, et qui est dans toutes les lieux, nous avons un petit jargon craintif, et qui fait nous pas fonctionner, mais pas tellement en filtre. Ok. Merci. Nous dit bonjour avec presse là. Moi félicite nous et moi dis bonjour avec toutes les institutions et organes qui sont présents matin et avec nous dans l'hôpital Chancerel. Et nous disons bonjour avec toute la population, particulièrement les gens qui cherchent soins de santé, qui sont femmes enceintes. Nous connaissons l'hôpital Chancerel, c'est l'hôpital qui vient depuis environ 75 ans qui a baillé service dans la communauté. Avant c'était commune d'Elma, mais depuis un certain temps après répartition géographique, c'est commune Cité-Soleil. Donc nous sommes au plein cœur de commune Cité-Soleil là, côté nous placé dans baillé soin depuis un pile temps avec la communauté qui fait nous en pile confiance déjà. Mais il se trouve que pour des raisons vraiment que nous tous nous sommes capables de connaître, qui en rapport, que ce soit avec la sécurité de manière globale, eh bien, l'hôpital là, de temps en temps, il a subi des petites périodes de fermeture pour être capable de relancer. Cette fois-ci, après 2 semaines, nous sommes obligés de camper parce que, pour tout ça, mis à part de ça que nous connaissons, qui sont habitués à arriver dans la zone entre des groupes rivaux, mais nous avons un problème énorme, un problème capital, c'était un problème par rapport avec la gestion de la pandémie coronavirus. Parce que nous arrivons là, le personnel là vient réfractaire, ils ne sont pas capables de venir travailler et ils ne sont pas capables de faire pression tout parce qu'ils ont été dépourvus de tout. Et c'est nous qui sommes placés pour nous débarrasser. Alors, puisque nous ne pouvons rien et nous ne sommes pas capables de venir, l'hôpital est venu tomber dans une paralysie totale pendant 2 semaines. Et bien, depuis mercredi dernier, et de la semaine dernière, pour Yves Jodian, ministère Santé publique, t'étant des cris nous, t'étant des cris familiaux, et qui croient qu'il était important, faut qu'il était octroyé des intrants médicaux hospitaliers avec l'hôpital Chancerel. Ce qui fait que Jodian, pendant qu'on continue le travail, mais fait travail de restructuration, eh bien, nous capables, nous en état pour nous recommencer par la population service pour nous accompagner la population parce que nous avons un stock matériel très important. Je le répète, très important que le ministère avant nous, grâce à Dieu, Jodian, Chancerel en mesure pour continuer à accompagner la population, que ce soit femme qui n'a pas accouché, que ce soit femme qui a une sur ou grossesse, que ce soit femme qui a besoin de traiter un problème d'infection, que ce soit femme qui est dans le domaine et besoin de faire un petit monde qui a une difficulté pour ça, et que ce soit femme qui a besoin d'opérer pour un fibrome, pour question et un problème matrice, et même monde qui a suivi pour programme et HIV, programme SIDA, VIH SIDA, et bien tout le monde ça, c'est quantité de services, planification familiale que nous offrons l'hôpital là, et que qu'on y a
dès aujourd'hui même, nous en mesure pour nous commencer à recevoir mon yo 24 sur 24, 7 sur 7 pour nous bailler au service. Et c'est ça que nous avons besoin de dire à la presse là, pour nous mettre tout le monde au courant, toute population, communauté nationale et internationale, que l'hôpital Chancel reprenne dans sa plus bonne facture et qu'au fur et à mesure, pour nous continuer à accompagner la population, j'en ai compte faire de le passé. Merci. Qui vient pour ajouter du mot par rapport à l'ouverture de nous gagnons masque N95 en très forte quantité. Nous gagnons masque chirurgicaux, par exemple, ça avec moi là. Nous gagnons lunettes de protection, tant pour ça que nous avons. Nous gagnons blouse, nous gagnons ça ou les EPIA, équipement de protection individuelle. Nous gagnons gants en quantité. Nous gagnons alcool en quantité. Nous avons près de 10 gallons, 10 gros gallons d'alcool en quantité qui capent là pour un bon temps avec nous. Et nous avons un élément important que le ministère a nous en très forte quantité, c'est l'oxygène. Nous n'avons pas de problème d'oxygène, nous avons 40 bonbons d'oxygène. De combien de litres par, rappelez-moi, mais gros bonbons, les plus grands bonbons. Donc 40 bonbons, les plus grandes bonbons hospitalières. Nous avons 40 là-dedans, plus nous avons déjà 24. Et à tout équiper. Donc, je pense que son gros coup, son gros touche que le ministère a joué, l'hypothé dans la question gestion pandémie COVID-là, particulièrement à l'hôpital Chancel, surtout pour pharmaciens et personnel hospitalier qui désormais besoin d'équiper le plus bien que possible pour être capable de continuer à offrir soins pour, sans ne pas mettre tête sur en jeu par rapport avec la pandémie COVID-19. Jusqu'à présent. Comment ça est? Est-ce que vous pouvez continuer à suivre ici? Comme on dit, jusqu'à présent, c'est la plus grande maternité du territoire national et nous ne pouvons pas faire deal. Et livre reprendre forme le plus rapide que possible, dès aujourd'hui même, quelle que soit la femme qui vient, nous faisons pour nous servir pour nous balancer. Je remercie Santé publique qui bat nous l'eau d'intransayo pour permettre que nous continuions à bailler service. Surtout à l'occasion de phénomène pandémie ça. Et nous avons un gros remerciement avec environnement, parce que nous chita avec environnement pour permettre que gagner la paix qui retourne dans la zone et nous gagner une garantie de un peu groupe dans la zone qui dit nous que la vie a retourné dans la zone. Parce que nous prenons des dispositions avec nous et nous chita presque. Tout week-end, toute semaine yo, qui passe yo là avec eux, pour permettre que les patients viennent là pour être capable de jouer un service. Donc, yo même, suivant un compte que nous gagnons avec eux, et que yo déterminé pour l'institution recommencer à fonctionner. Et ceci, ce n'est pas même pour l'environnement seulement, c'est pour toute l'autre institution qui n'a environnement qui est déplacée. Pour permettre qu'ils soient capables de retourner. Ça, c'est Chita que nous-mêmes nous disons Chita avec eux, dans le cadre de politique générale de l'institution, ça, qui c'est maternité. Isaïe Gentil qui trouvait le nom environnement, zone côté situé là. À qui vous voulez Chita justement? Oui, nous avons un groupe qui est beaucoup plus rapproché et de zone chancelle là, là. Aviation et toute zone non, là. Effectivement, tout arrière là. Effectivement, nous chita nous parler avec eux pour permettre que eux même yo ba nous garantie, parce que intérêt que yo même yo gagne là, majorité moun qui là dans yo là, c'est moun petite zone là que yo yé. Yo habité yo levé dans zone là. Le fait que yo levé dans zone là et yo est zone là a débat fini et que yo déterminé normalement ensemble avec nous pour nous faire route ensemble. Pour permettre que nous sommes capables d'avancer et avec question de l'hôpital là pour nous sommes capables de continuer à vivre un service dans l'environnement. Est-ce que si on est mon virus qui même cas nous-mêmes. Bonjour,
docteur? Bon, docteur? Non. Non, mais tu te as bien docteur par venu? Oui. Vous voyez le terrain? Non, c'est mon état. Tout est à l'air? C'est mon zone. Je m'en ai portail. Portail? L'autre portail, votre Logan? Oui. Ok. C'est mon travail de mission aujourd'hui. Oui, il y a besoin de soins. Tout docteur là, nous prêts pour nous faire soins. Et c'est des gens qui croient dans l'hôpital là. Qui service est disponible pour vous là? Et service accouchement, consultation, planning familial et tout notre service qui corollaire avec. Avec dit, vous avez garanti que mission, médecin, tout va venir? Oui, c'est vous qui êtes dans la salle avec nous, particulièrement mission et médecin là, résident, il y a préparé vous-même parce que chaque matin, yo de faire tir en compte par eux pour fixer service. Comme je dis, on a commencé, il y a un petit appareil de temps, mais depuis 7h du matin, tout le médecin est toujours là pour être capable de rebalancer, faire revue des cas, revue de la garde, les autres passés n'étaient pas qui carte gagné. Mais je dis, puisque son relancement, eh bien, il y a beaucoup de descendre, mais tout le monde là, il était avec moi là. Ok, dans le cas de relancement, ça, quand nous sommes l'hôpital là, ça passe plusieurs mois fermé. Et comment nous-mêmes nous allons gérer la question de maladie coronavirus et par rapport avec. Cité pour nous passer toute notre vie. Ça, c'est quarantaine. Attends, ça, c'est 40 bonbons d'oxygène. Ça, c'est 7 caisses gants. 8, ça, c'est 7 caisses gants propres. 7 et demi. Ça, c'est blouse. Tout ça, c'est blouse. Ça, c'est lunettes. Et 14 caisses. Ça, c'est manomètre pour oxygène, 40 lits et tout. Ça, c'est chou cover. Couche aussi. Ça c'est N95 masque. Nous avons un masque chirurgical là. Qui garantit nous que le matériel ne va pas faire de coucher? Bon, garantit nous que le matériel ne va pas faire de coucher, c'est parce que, premièrement, nous toujours conscients, mais cette fois-ci, conscience allait jusqu'à former un comité de gestion avec équipe stock là, capture stock là, pour que leur matériel sorti,
eh bien pour yo connait c'est pas un seul monde qui dit ça a sorti mais tout en communauté tout en chaîne dans système dans connaît mais qui matériel qui sorti mais comment t'es utilisé et puis ça qui gagne possibilité pour contrôler avec les déchets par exemple si bon on sait bon yo piqûre yo fiole leur fin casser vous utiliser leur dit c'est 10 bref on a le formule 10 sur là que vous t'es utilisé déjà donc c'est sous base ça l'hôpital a déjà gagne moyen ça pour yo contrôler mais n'a fait en sorte que nous faisons bonne utilisation rationnelle et nous baillons tout le monde garantit ça. Nous baillons ministère, nous baillons population garantit ça. Hein, que matériel ça, intrant ça, nous ne pas jouer avec nous, nous ne pas jouer avec eux et nous ne pas faire bonne utilisation pour que la population bénéficie au plus grand nombre.